Défier la gravité aujourd'hui avec les isolations. Comment faire? Qu'est-ce que c'est une isolation? Je vais prendre mon poil et je vais lui donner un nouvel axe de rotation. Si j'ai ma main qui est ici, qui tient le bout du poil, une des choses qu'on va faire le plus, c'est que notre centre de rotation va être à notre main. Mon objectif, c'est de le modifier pour que mon centre de rotation vienne à être en plein centre du poil. Chose qui fonctionne très bien, allez apposer un ruban sur votre poil. Pour commencer, ça va vous aider à centraliser sur un point. Ce que vous voulez, c'est d'isoler ce point-là. Le plus possible, il doit rester au centre. Comment trouver une façon de réussir son isolation? Voici plusieurs trucs que j'ai vus ici et là. Je vais vous dire aussi qu'est-ce qui a fonctionné pour moi, parce que ça ici, c'est vraiment du ressenti. Première des choses, la main loose. Ça ici, relaxez la main. Vous allez comprendre une chose qui est primordiale. Vous n'êtes pas obligé de toujours mettre de la force sur le poil pour qu'il tourne. C'est comme si une montée vers le haut et je peux bouger. Monter vers le haut, hop, monter vers le haut, hop. Et naturellement, lorsqu'on l'enchaîne plus rapidement, ça donne ceci. Plusieurs façons que d'autres personnes ont trouvé pour s'aider. Quand je suis ici, je vais essayer à faire tourner le poil autour de ma main. Ce que je veux, c'est qu'il y ait le moins possible de friction entre mes mains. Si je suis ici, je suis en train de tourner, là, ça ne marche pas. Donc, mon objectif, me servir de ma main un peu comme levier pour trouver une façon à ce que le poil tourne doucement autour. Le plan plancher ici, très intéressant pour comprendre le concept de base. Donc, ma main s'en va d'un côté, le poil de l'autre, ici. Même chose que ici. Par contre, en ce moment, la difficulté que j'ai, je mets toujours de la tension sur mon poil, comme si j'étais ici. Je mets toujours de la tension. Moi, mon objectif, c'est de réduire le moment de tension. Donc ici, force pour aller vers le haut et je peux bouger. Bonne pratique, l'isolation, c'est quelque chose d'ardu. Ça demande du ressenti physique, mais vous allez tellement mieux comprendre plusieurs mouvements si vous avez ça dans votre sac à outils. C'est génial. Continuez, pratiquez. Bonne chance, c'est à vous.